l'espace de Mojokoyo. On tient l'emplacement présumé du Butchon de Morokoyo. Toi qui conduis, une maison située à Rancho Sabala. S'il est chez lui, chopez-le et ramenez-le-moi. Il va falloir l'extraire. Demander une reco de la zone rebelle. Troisième cible. On arrive à 5. Fred. Oh non. Si on cherchait la plus grande baraque de la ville, non, je crois qu'on l'a trouvée. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, on s'incruste. Allez, vous êtes des bourrins, vous ? Non mais Fred, sérieux, quoi ! Les gars, y en a un qui arrive derrière toi. Ouais, je sais. Merci. Putain de merde. Et je vois pas où il est fumé. Il est à l'étage. Cible neutralisée.
No se mueva. Ponga las manos donde pueda verlas. Il est mort. No se mueva. Ponga las manos donde pueda verlas. On cherche le type qui dirige Morokoyo. On sait qu'il vit ici. Antonio? Je sais pas où il est. J'y crois pas. Vous êtes sa femme. Oui, mais il me dit rien. C'est à peine s'il rentre encore à la maison. Antonio, il est malade. Malade comment? Pinche puto loco. Il a enlevé les femmes du village. Toutes. Je sais pas ce qu'il en fait. Il est où maintenant? Si je vous le dis, qu'est-ce que vous allez faire? Rien de mal. C'est promis. La seule chose qu'on veut, c'est l'aider. Il reste jamais très longtemps au même endroit. Mais je peux vous donner son planning. Il faut capturer Antonio. Mademoiselle. On la suit, on la suit. Appuie sur X pour marcher. Si, sí, te veo mañana. Si, sí, estoy de acuerdo. Conduis. Mañana nos vemos entonces. Pero ten mucho cuidado. Ahorita todo está muy peligroso. Como habíamos quedado. Me parece muy bien. Ok. Des infos sur le responsable logistique? Il s'appelle Antonio. Apparemment, il a un petit problème avec la coke. Son problème, c'est qu'il en a trop. Faites-lui savoir qu'on peut l'aider. Tu lui diras toi-même quand on te le livrera. Bowman a envoyé le profil d'Antonio. Ah, tiens, une vidéo. Chaque semaine, plus de 6 tonnes de poudre blanche transitent par Morokoyo. Les cargaisons sont stockées sur place en attendant de partir pour le Brésil, les États-Unis et l'Europe. Le bouchon du coin, c'est Antonio. Il doit assurer la sécurité de la coke. Sauf que rester H24 au milieu de la poudre, c'est un boulot très stressant. C'est comme filer les clés de la cuisine à un gamin obèse. Et tout le monde sait ce qui se passe quand on bouffe trop de sucre. Oh bordel, putain! En pleine vidéo, quoi, ça charge! Fais chier! Bah allez, qu'est-ce qu'on fait là? Dans 2 secondes. Chaque semaine, plus de 6 tonnes de poudre blanche transitent par Morokoyo. Les cargaisons sont stockées sur place en attendant de partir pour le Brésil, les États-Unis et l'Europe. J'ai pas. Le bouchon du coin, c'est Antonio. Il doit assurer la sécurité de la coke. Sauf que rester H24 au milieu de la poudre, c'est un boulot très stressant. C'est comme filer les clés de la cuisine à un gamin obèse. Et tout le monde sait ce qui se passe quand on bouffe trop de sucre. On pète un câble, on se méfie du téléphone, on fait plus confiance à personne. On délaisse même sa chair étendre. Et on finit par plus révéler à personne quand les cargaisons arrivent, avant qu'elles arrivent. En matière de transport de coke, Antonio est un coffre. Un coffre que j'ai bien l'intention de faire sauter. Voilà. Bon. Capturer Antonio.